Yo 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 les amis, comment on va aujourd'hui? On se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo Urbex avec l'ami Marcus, les aventures de Marcus. Donc voici la maison Opel. Charmante petite bicoque bien niquée. Beau petit siège. Petit fourneau des années Monoguin. Une petite banquette de mamie. Là, je vous montre pas le nom du bonhomme. Pas déconner, c'est pas la fête du slip ici. Pas mal d'objets, de choses. J'ai un truc de 2008. On viendra ici après, on va pouvoir faire la chambre. Chambre qui est un petit peu en bordel par là, mais par là, il y a quand même quelques angles de vue sympas pour faire des photos. Si je vois ces fauteuils rouges. C'est le lit en paille. Photo de famille, photo de mariage, des belles robes, tout à fait dans l'air du temps. Par ici, une chambre complètement bordel. Des casiers, c'est de reculer, des vieux casiers, ah, ici il y a quoi, c'est infesté par les rats ici, il y a des morceaux de papier déchiquetés partout. Ça c'est dans moi. Ikea. Purel. Le concurrent belge, le Pullmoll. Purel. On va voir les pièces. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait une cuisine. Qu'est-ce qui se passe par là? Magie de la luminosité et Dieu créa la lumière. Surtout pour les urbexards qui a fait ça. Beaucoup de saleté là, des outils. Une petite cuisinière vraiment rudimentaire. Elle arrache trop là. Putain. Non mais non, plus rien. Pas nécessaire pour manger, mais j'ai envie de vous dire quand même rudimentaire. Bon bah la cave inondée, j'ai inondé. Cet été, voilà, c'est flotte par flotte, sur flotte sur flotte, par flotte sur flotte. Une belle machine à coudre.
caractère complètement creepy. Pourri. Une mudine. C'est le qui est fait ici. Voilà, regardez-moi cette fenêtre. Complètement bouffé par l'étoile d'araignée. Incroyable. Il y en a partout. Les arachnophobes. Venez pas ici. Hein. Petit fauteuil en face de la fenêtre. Oh, le bordel. Un truc des années 80. Mais moi qui suis des années 80, j'ai jamais entendu parler. Petit four. Et c'est autrement. Putain, ça crame l'image. Trop puissante cette lampe phénix. On marque aussi de près de la voiture. Ici, il n'y avait rien. On verra ça plus tard. Je vais déjà shooter tout ça. Je vous reprends après. Transition, surtout oui. Que la transition là, les gens ils vont même pas la remarquer, tu vois. Mais qu'est-ce que tu joues? Alerte rouge, alerte rouge, cet homme est chelou, cet homme est chelou. Comment trouvez-vous ce petit spot, Tino? Hashtag dans les commentaires. Hashtag dans les commentaires, hashtag. Hashtag. Machine à écrire. C'est plutôt sympa pour le moment. Non, moi j'aime bien, c'est bien crépi. Ouais, c'est bien. Ça ressemble à la maison qu'on a faite. Un peu plus garni quand même. Oui. Il semble qu'il y a un étage, mais c'est plus des combes qu'autre chose. Est-ce que tu as dit à tes abonnés qu'il y allait avoir une belle voiture à la fin? Bah non, c'était la surprise, là tu fais du spoil. Putain, enculé. Non, il a tout spoilé. Dites merci à Marcus, hein, aux commentaires. Merci Marcus pour le spoil. Oh, visiblement, il y a un grenier. Ah, mais c'est un secret, bordel. Il n'y a rien de photographique par ici. Dommage, dommage. Retournons dans le gouffre de l'enfer. Finir cette exploration. Et voilà le petit spoiler de notre ami Marcus. Une petite Opel. D'où le nom, la maison Opel. Complètement éclaté, hein, les abrutis qui sont venus. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Hein. À 8-9 quand même, hein. Attention, hein. Vous envoyez pat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, partager sur les réseaux sociaux, ça fait avancer mais de ouf, vous imaginez pas. Donc n'hésitez pas, encouragez notre travail, créateur.
petit, très petit créateur, créateur miniature, ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas, il se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, big up! Thank you.